Je m'appelle Xavier Klein, je suis un des gérants du Fab Lab d'Orange, l'Orange Data Center à Bicentrale. Je m'occupe de Fab Lab depuis 2016. Je me suis occupé du Fab Lab du PASS et d'IMAL. Et j'ai sélectionné la Mécanica Pro S avec son kit éducation pour pouvoir former les gens ici. Avant même l'aspect formation, il y a un aspect pratico-pratique qui est que c'est une machine qui est fabriquée en Berlex, donc à Bruxelles, sur la région bruxelloise, et que pour avoir bossé dans d'autres Fab Labs et d'avoir une machine en fait où si j'ai un problème, parce qu'il y a souvent des problèmes dans les Fab Labs avec les machines, vu que les machines sont en libre accès, d'avoir une machine où en fait si jamais j'ai un problème, je sais qui appeler, où aller pour en fait avoir une expertise directement, c'est très pratique. Pour la formation, alors ici on avait les contraintes de place, ce qui fait que de toute manière on avait besoin d'une petite machine. C'est pour ça qu'on a choisi le modèle Pro S. Et le fait que j'ai cet emballage donc avec le kit éducation nous permet aussi de pouvoir l'utiliser en toute sécurité dans un espace qui n'est pas forcément dédié, qui n'est pas un atelier de bois en fait, ou de menuiserie, pour aussi minimiser la poussière autour de la machine. Et comme on a des gens qui, par exemple, font complètement autre chose pas très loin, éviter que des problèmes arrivent, ne serait-ce que de projection de matière ou voilà. Alors oui, c'était facile de monter la machine. Les instructions étaient claires. L'avantage de la monter, c'est qu'on la connaît en fait. Donc avant même de devoir contacter qui que ce soit de Mécanica, je peux déjà facilement comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans le sens où c'est moi qui l'ai fabriqué, quoi. Si quelque chose aussi encore de très pratico-pratique, c'est que ici on est au deuxième et premier étage et on peut pas avoir des machines gigantesques. Et du coup, le fait qu'elle arrive en petits morceaux simplifie grandement la livraison. Les Fab Labs, techniquement, sont obligés d'avoir, s'ils veulent être appelés Fab Labs, sont tenus d'avoir une CNC. Dans le sens où le slogan des Fab Labs, How to make most everything, donc comment faire presque tout, n'est valable que si on possède une CNC parce qu'elle permet de faire des choses que la laser ne peut pas faire, de pouvoir visionner des matières que l'imprimante 3D limitée par le plastique peut faire. Donc avec cette machine, on peut couper jusqu'à de l'aluminium en soi. Et donc il a paru assez logique d'équiper le Fab Lab Orange avec cette machine et d'intégrer du coup l'intégrer dans nos parcours de formation et d'autonomisation des participants. Alors, parce qu'on a eu énormément de demandes, elle est presque en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est vraiment sur la partie CAM de Fusio, qui a un bon compromis entre facilité d'utilisation, d'installation et de documentation. Donc en fait, il y a vraiment un workshop de 3 heures régulièrement qui permet de pouvoir voir un tout petit peu de modélisation paramétrique pour ensuite arriver à la CAM, à la partie d'usinage du logiciel. Voilà, c'est 3 heures assez intenses où les gens n'ont pas le temps après de pouvoir usiner quelque chose par eux-mêmes. Ils doivent donc revenir pendant l'une de nos ouvertures publiques pour pouvoir continuer à se former entre guillemets. La Mécanica permet déjà de simplifier pas mal de choses parce que, par exemple, toutes les configurations de fraises pour les fraises qui sont offertes avec achetées avec la machine, avec le pack éducation sont déjà intégrées. Donc voilà, ça fait déjà des choses à ne pas expliquer, en tout cas ne pas devoir expliquer en profondeur. Et en plus de ça, maintenant, on fait aussi des formations vraiment purement sur la modélisation dans Fusion, mais en vue de la fabrication numérique sur la machine. Donc on apprend à faire un tabouret en bois, quoi. Donc une fois effectivement qu'on a pu faire la CAM, je vous montre en fait l'utilisation de la machine. Savoir que c'est le workflow sur la machine est relativement simple, contrairement à d'autres machines que j'ai pu déjà tester et faire des formations dessus, où en fait ces machines sont souvent destinées en plus à des utilisations vraiment professionnelles et donc ne s'embarrassent pas d'interfaces vaguement user-friendly. Ici, la disposition du clavier avec déjà toutes les bonnes choses, avec les logos qui montrent bien ce que fait quoi, quel bouton fait, permet en fait de pouvoir appréhender la machine facilement, ce qui est bien puisque en fait un des problèmes en formation de CNC qui est dur à éliminer, c'est la peur des participants à utiliser la machine, à prendre la machine en main, car c'est une machine qui reste dangereuse. Ici, l'emballage de la machine plus l'interface facilement compréhensible permet déjà d'atténuer cette peur et donc de permettre aux gens de pouvoir passer à l'usinage numérique plus facilement que d'utiliser une machine de 1,50 m de long avec un changement d'outil par exemple et une interface prévue pour des professionnels.